Mon frère, pardon, pardon, à l'heure de Dieu. Souffre. Pardon, 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 pardon. Ouais, pas de soucis, t'inquiète. On va rester bien avec lui. Reste pas méchant. Teddy. Alors, pas de soucis. Tu peux finir. Non, non, on sera pas sûr. Le père de Donald Trump. Nina.
beaucoup d'espoir. À présent, les intentions de cette messe. Deux fois. Messe pour le repos éternel en Dieu de tous les peuples de la famille de Dieu. En particulier, Blé Yepo, Blé Nathalie, Blé Ponce Roger, Blé Nadine, Blé Obé et tous les peuples du projet. La communauté des sœurs d'Abondamme-Carmel demande à cette messe pour le repos éternel du papa Kwasi Kwame Lambert, père biologique de la sœur Julie. À toutes ces intentions, joignons cette nouvelle. Dimanche 4 décembre 2022, deuxième dimanche de l'Avent à l'Église. Frères et sœurs, les textes liturgiques de ce dimanche nous appellent à la conversion et nous parlent de la prophétie de l'avènement de mon tombeau, car le prince de la paix et de la justice viendra et il jugera tous les peuples avec droiture. Jean le Baptiste nous exhorte aussi à garder l'espérance et avons préparé pour accueillir le Sauveur du monde. Prions donc au cours de cette célébration eucharistique, afin que le Seigneur nous aide à disposer nos cœurs pour recevoir dans la paix et dans la joie le Sauveur du monde. Dans un élan de joie, avec notre illustre hôte, Monsieur le ministre Charles Député, qui rend grâce à Dieu avec nous ce matin, devant nous pour accueillir le
sœurs en ce deuxième dimanche de l'Avent, où le Seigneur nous invite à nous préparer. Jean-Baptiste nous invite à préparer nos cœurs, à recevoir le Seigneur. Nous avons la joie d'accueillir notre Fils, notre ami, notre frère et son épouse, chaque jour de Dieu. Nous avons la joie de vous. Je voudrais, avec vous, chanter, le Seigneur me met à cœur ce chant pour notre frère. Le Seigneur a fait pour moi des merveilles. Je le sais, comment le remercier. Le Seigneur a fait pour moi des merveilles. Je le sais, comment le remercier. Il m'a choisi. Seigneur, tous les biens qu'il nous fait. Notre frère a voulu rendre grâce à Dieu pour tous ses bienfaits dans sa vie. Au début donc de cette Eucharistie, commençons humblement par nous reconnaître pécheurs et demandons pardon au Seigneur pour tous nos péchés, pour que nos célébrations eucharistiques puissent trouver grâce devant lui. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant mes frères et sœurs que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il pardonne tous nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Thank you.
la marche de ceux qui te supplient, aller à la rencontre de ton Fils. Mais prends-nous à la sagesse d'en haut qui nous fait entrer en communion avec lui. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vient avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu maintenant et pour les siècles des siècles. Première lecture. Le prophète Isaïe prédit la venue du Sauveur et Prince de la paix qui marquera l'avènement d'un monde nouveau. Écoutons-le dans la lecture de son livre, chapitre 11, versets 1 à 10. En ces jours-là, un rameau sortira de la source de Jessé, père de David. Un végétal jaillira de ses racines. Sur lui reposera l'esprit du Seigneur, esprit de sagesse et de discernement, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte du Seigneur, qui lui inspirera la crainte du Seigneur. Il ne jugera pas sur l'apparence, il ne se prononcera pas sur des rumeurs. Il jugera les petits avec justice, avec droiture il se prononcera en faveur des humbles du pays. Du bâton de sa parole, il frappera le pays. Du souffle de ses lèvres, il fera mourir le méchant. La justice est la ceinture de sa hanche. La fidélité est la ceinture de ses reins. Le loup habitera avec l'agneau, le léopard se couchera près du chevreau, le veau et le lionceau seront nourris ensemble, un petit garçon les conduira. La vache et l'ours auront même pâture, leurs petits auront même gîte. Le lion, comme le bœuf, mangera du fourrage. Le nourrisson s'amusera avec le nid du cobra. Sur le trou de la vipère, l'enfant étendra la main. Il n'y aura plus de mal ni de corruption sur toute ma montagne sainte, car la connaissance du Seigneur remplira le pays, comme les eaux recouvrent le fond de la mer. Ce jour-là, la racine de Jessé sera dressée comme un étendard pour les peuples. Les nations la chercheront et la gloire sera sa demeure. Parole du Seigneur. Oh, ces jours-là fleuriraient.
Dieu, donne au roi des pouvoirs, à ce fils de roi ta justice, qu'il gouverne ton peuple avec justice, qu'il fasse droit aux malheureux. Nous ayons l'espérance que le Dieu
de la persévérance et du réconfort vous donne d'être d'accord les uns avec les autres selon le Christ Jésus. Ainsi, de même cœur, d'une seule voix, vous rendez grâce à Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Accueillez-vous donc les uns les autres, comme le Christ vous a accueilli pour la gloire de Dieu. Car je vous déclare, le Christ est fait le serviteur des Juifs en raison de la fidélité de Dieu pour réaliser les promesses faites à nos pères. Quant aux nations, c'est en raison de sa miséricorde qu'elles rendent gloire à Dieu, comme le dit l'Écriture. C'est pourquoi je proclamerai ta louange parmi les nations, je chanterai ton nom. Parole du Seigneur. Nous avons Abraham pour père, car je vous le dis,
des pierres que voici, Dieu peut faire surgir des enfants à Abraham. Déjà la cognée se trouve à la racine des arbres. Tout arbre qui ne produit pas de bons fruits va être coupé et jeté au feu. Moi, je vous baptise dans l'eau en vue de la conversion. Mais celui qui vient derrière moi est plus fort que moi. Je ne suis pas digne de lui retirer ses sandales. Lui vous baptisera dans l'Esprit Saint et le feu. Il tient dans sa main la pelle à vanner. Il va nettoyer son air et battre le blé. Et il a amassé son grain dans le grenier. Quant à la part, il la brûlera au feu qui ne s'éteint pas. Acclamons la parole de Dieu. Le loup habitera avec l'agneau. Le léopard se couchera près du chevreau. Le veau et le lionceau seront nourris ensemble. Un petit garçon les conduira. La vache et l'ours auront même pâturage. Leurs petits auront même gîte. Le lion comme le bœuf mangera du fromage. Le nourrisson s'amusera sur le nid du cobra. Sur le trou de la vipère, l'enfant étendra la main. Il n'y aura plus de mal ni de corruption sur toute ma montagne sainte. Paix et joie. Amen. Paix et joie. Amen. Paix et joie. Amen. On acclame le Seigneur. Le roi de la tribu de Juda, l'éternel vainqueur, il est là avec nous. Sainte famille. Sainte famille. Sainte famille. On acclame le Seigneur. Paix et joie. Aujourd'hui, c'est un jour spécial pour notre paroisse. Nous avons cette grande joie de recevoir notre frère. Il est venu pour la messe d'action de grâce. Nous allons avec lui dire merci à Dieu. Alors on va se mettre debout. On va chanter le Seigneur. Le Seigneur a fait pour moi des merveilles. Je ne sais comment le remercier. Le Seigneur a fait pour moi des merveilles. Je ne sais comment le remercier. Il m'a choisi. Je ne sais comment le remercier.
dans l'épreuve, il est là
Comment sera le monde
Il est mort. Il est ressuscité. Mais le Dieu vivant, nous l'avons possédé, il est mort. Mais que se passe-t-il? Est-ce que, en réalité, le loup habite avec l'agneau? Il est venu? Est-ce que le léopard se bouge près du chevaux? Réellement. Bénissons-le. Est-ce que le veau et le lionceau sont nourris ensemble sans que le veau ait peur du lionceau? Thank you.
un autre plus parfait. L'enfant, il y a une famille A et une famille B. Dans notre tradition, les gens voyaient bien. Réfléchissons à ça. L'enfant qui est dans le ventre de sa mère, dans la famille A, les deux familles A et B sont en parade. Depuis des années, il y a eu une parade entre des années. Et ils sont en parade. Et de génération en génération, ils entretiennent ça. Au point où l'enfant qui est dans le sein de sa mère, dans la famille A ou dans la famille B, depuis le sein maternel, il doit savoir que s'il naît là, il doit être en parade pour celui de la famille B. Bravo. On entretient ça. Ceux-là, ils ne sont pas bons. Cette famille-là, ils ne sont pas bons. Et on éduque nos enfants à ça. Dans notre tradition. L'enfant depuis le sein maternel, il n'est qu'à conscience déjà qu'il va être en parade avec celui qui est dans la famille de l'Église. Si tu n'as pas de dents, tu es à l'étudier. Fais le voir. Mais quand c'est comme ça, est-ce qu'on peut réellement réaliser ce monde-là? Ou le lionceau et le chevreau ont même pâturage? Montré par ce qu'il est, par son comportement, que
le monde peut compter sur lui. Que ce ne soit pas les chrétiens qui encouragent certaines situations dans des familles, mais bien au contraire. Aujourd'hui, nous sommes le 4 décembre et aujourd'hui, depuis le dimanche dernier, 27 novembre, nous avons commencé au niveau diocésain une semaine de réconciliation. C'est donc une providence liturgique que d'avoir notre frère au milieu de nous aujourd'hui. Dans cette semaine de réconciliation qui prend fin aujourd'hui. Bonne arrivée, Charlie. Merci. Pour ensemble prendre le chemin de la réconciliation. La réconciliation selon le cœur de Dieu. La réconciliation sur la vérité, sur la justice, dans le nom de Jésus, autour de Jésus-Christ, en acceptant Jésus-Christ. Oui, frères et sœurs, travaillons pour un monde juste. Travaillons pour un monde selon le cœur de Dieu. Si Dieu nous a choisis pour faire de nous des chrétiens, c'est parce que nous sommes capables d'impacter positivement le monde. Que le Seigneur, au cours de cette Eucharistie, nous accorde la grâce de travailler dans ce sens. Dans nos bureaux, au travail, à la maison, partout, nous devons régulièrement, sinon continuellement, nous souvenir que nous sommes l'espérance du monde. Le monde a perdu le sens de Dieu. Mais heureusement, chacun doit dire, heureusement que Dieu a permis que je sois là pour que le monde soit sauvé. Nous devons tous participer au sein de l'humanité qui s'enlise. Que le Seigneur nous aide et qu'il aide notre pays à s'en sortir. Que chacun prenne sa part de responsabilité pour marcher à la réconciliation. Pour chercher la paix selon le cœur de Dieu. Le chantier de la réconciliation est très lourd, est très vaste. Chacun doit donner un peu, chacun doit s'effacer un peu, et chacun doit donner un peu d'humilité, chacun doit pouvoir se rabaisser un peu, de part et d'autre, pour qu'on puisse faire route avec le Seigneur. Que le Seigneur te bénisse, mon frère, et qu'il t'accorde les forces nécessaires de marcher avec lui dans le chemin de la réconciliation. La Côte d'Ivoire ne peut pas devenir une grande nation si on ne commence pas par nous réconcilier. Mais que ce ne soit pas un slogan. Dieu nous aide à pardonner, c'est vrai, mais qu'il nous aide aussi à faire la justice, la vérité, pour que les cœurs blessés soient soignés et que la réconciliation soit sincère. Que le Seigneur soit au cœur du bateau ivoire et que lui-même il puisse panser les plaies. Travaillons tous pour la paix dans notre pays, dans nos familles, dans nos foyers. Le Seigneur est là pour nous aider. Il faut prendre le temps de la prière. J'ai été heureux de savoir que, excuse-moi si je te tutoie, hein? Voilà, je suis ton frère, tu es mon frère, donc voilà. J'ai été heureux de savoir que tu as été baptisé. Vraiment, on acclame le Seigneur. Et tu as été marié? Pas encore. Ah, mon don, je vais s'écouter ça tout de suite. Ah, d'accord. Donc, on fait comment? Tu n'as pas communié alors? Tu ne peux pas communier? Ah, je comprends. Donc, le baptême est un sacrement, puis la communion est un sacrement. Mais, faut faire en fait ça à Guibourg ici. Alors, c'est quand ça chauffait. Il y a longtemps, je suis à Guibourg ici. C'est quand ça a chauffé en 2011 qu'on m'a affecté ici.
Et je suis là encore. Ça fait bientôt 12 ans que je suis à Libéroa. Bon, peut-être que le Seigneur voulait que j'attende de te recevoir d'abord. Voilà. Et donc, que le Seigneur t'aide. Il faut demander son esprit qu'il te guide. C'est pas facile. Il faut laisser beaucoup pour regarder loin. Comment? Tes doigts sont devant moi. C'est seulement Dieu qui peut t'aider. Qui peut véritablement t'aider. Tu es baptisé, il faut prendre le temps de la prière. Et puis, il faut penser rapidement au mariage. De sorte que. Notre frère Charles Boudé est un exemple pour nous. J'ai reçu ici son épouse une ou deux fois. Et elle nous a demandé au nom du ministre Charles Boudé de tenir à la CPI nos besoins. Je n'en revenais pas. J'ai dit, mais un prisonnier qui demande nos besoins. Et c'est une combinaison qui va. Quelqu'un qui est en prison, qui souffre, et qui a le temps de penser aux besoins des autres. C'est fort, hein? Moi, je suis en prison, je suis dans les chaînes. Je pense comment sortir. Et puis, avec quels moyens? Mais le peu de moyens que j'ai là, c'est ça que je prends pour penser aux autres. Non, mon ami, merci. Vous savez, dans l'église là, il y a beaucoup de saints. Et les saints, on les appelle quelquefois certains docteurs et tout ça. C'est pas parce qu'ils ont doctorat. Mais quand on dit dans l'église, un tel est docteur de l'église, c'est parce que par sa façon de vivre, il a impacté et que à travers sa façon de vivre, de faire, on peut aller au ciel. C'est ça. Quand on prend par exemple Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, elle en a que 24 ans, mais par la petite voix, on l'appelle docteur de l'Église, mais elle n'a pas de doctorat. Quand on dit docteur de l'Église, c'est ça. Ça dit que par ta façon de vivre là, tu nous montres un chemin pour aller vers le ciel. Alors par là, tu es un docteur de l'Église, on peut le dire. Oui, parce que quelqu'un qui est en prison et puis qui pense aux autres, alors tu nous as offert des toilettes. On l'acclame très fort. Parce que les paroissiens, quand ils viennent, on n'a pas de toilettes. Et madame est venue, vous avez tout fait pour que nous ayons les toilettes. Vous nous avez aidé à faire le plafond de notre salle paroissiale et puis de la terrasse. Vraiment, tout à l'heure, tu me disais, mais l'église là, quand j'étais petit, on venait ici. Comment c'est? Pourquoi on renove ça? Mon ami, il faut faire, en fait. Tu as tout dit. Parce que c'est le problème qu'on vit. Oh. Heureusement qu'il ne pleut pas. Heureusement qu'il ne pleut pas. Mais s'il pleut là, on ne peut pas s'asseoir dans l'église. Donc, vraiment, c'est un chantier. C'est un chantier. Alors, on est en train de faire la parole un peu, mais il nous a envoyé un devis d'une couverture métallique à 5 millions. On a commencé, on a lancé une opération ici qu'on appelle opération pilier. Comment on appelle ça? Pilier. Un pilier. 50 000 francs. Mais les paroissiens sont bousculés. Mais aujourd'hui, on est bloqué un peu. On est bloqué. Parce que quand ils ont fait débit de la couverture là, notre mère n'arrive pas, hein, c'est compliqué. Donc on veut aller là-bas pour penser à la rénovation justement de l'église. Alors. Comme on a parlé de ça, maintenant je profite quoi. Donc, voilà un peu
pour le moment, on a la toiture à faire. Et puis pensez à ça. Pensez à ça. Et à notre presbytère qui est dans un état de délabrement avancé. On n'a même pas l'eau aussi. Depuis que je suis venu, c'est en 2011. Je n'ai jamais eu l'eau dans... Comment on appelle ça? C'est dans son, je me lave. Donc, vraiment, le Seigneur est merveilleux. Et tout ce que tu peux faire pour le bien de ta paroisse, je me dis, mais quelqu'un qui était en prison, qui nous a aidés, mais quand il va sortir? Je sais qu'il va faire mieux. Voilà. Vraiment, merci beaucoup. Que le Seigneur, au cours de cette Eucharistie, nous accorde ses grâces et qu'il nous aide à continuer à être l'espérance du monde, lui qui est éternellement vivant maintenant et pour les siècles des siècles. Et maintenant, frères et sœurs, exprimez notre foi en Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Je crois en Dieu. Le Père tout-puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour, est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, en la communion des saints, en la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Tandis que nous attendons l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ, implorons sa miséricorde pour qu'il apporte le salut au monde d'aujourd'hui.
du peuple en posant des armes concrètes pour leur épanouissement. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Nous te prions, Seigneur, pour tous les malades du monde entier, en particulier ceux de notre paroisse, malades physiques et spirituels. Dieu de miséricorde, tends ta main de guérison sur eux, pour qu'ils, eux aussi, puissent te rendre grâce, toi le médecin par excellence. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Nous te prions, Seigneur, pour le ministre Charles Bléboudé, en ce jour glorieux, pour qu'il te rende grâce pour tous tes bienfaits dans sa vie. Dieu de miséricorde, par ton esprit, accorde-lui ton aide, ton assistance et ta protection, que ton amour soit toujours avec lui. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Nous te prions, Seigneur, pour nous tous ici rassemblés, que ton Esprit Saint nous aide à changer nos cœurs, pour que nos actes soient toujours orientés vers le bien, renouvelle en nous la foi, pour que toute notre existence soit action de grâce. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Voici les intentions de cette messe. De vœux. Messe pour le repos en Dieu de tous les défunts de la famille Blé, en particulier Blé Niepo, Blé Nathalie, Blé Ponce Roger, Blé Kiki, Niepo Obi et tous les défunts du Gojet. La communauté des Sœurs Notre-Dame du Calvaire demande cette messe pour le repos éternel de le Papa Voici Kwame Lwangwe, père biologique de la Sœur Julienne. Maman Gadjie demande cette messe pour le repos éternel de Pierre Gadjie, Apoko Mat et Ange Gadjie. Action de grâce. En union avec Notre-Dame du Mont Légion, Charles Bréboudé et le projet compris pour le repos en Dieu de toutes les victimes des différentes crises militaro-politiques en Côte d'Ivoire. Monsieur Charles Bréboudé rend grâce à Dieu pour une infinie action de grâce à Dieu par l'intercession de la Sainte Famille pour toutes les merveilles. Il a compris dans sa vie. Le clergé et le conseil paroissial de la Sainte Famille de Guinée-Roi, en action de grâce au Seigneur pour la vie du ministre Charles Bléboudé, il demande pour lui aide, assistance et protection dans tout ce qu'il entreprend par l'intercession de la Vierge Marie. La Caritas de la paroisse demande cette messe
action de grâce au Seigneur pour tous ces bienfaits en faveur du couple Blé-Goudé et confie à la miséricorde du Seigneur le ministre Charles Blé-Goudé que le Seigneur achève en lui ce qu'il a si bien commencé. Monsieur Covena Krabuno rend grâce au Seigneur pour tous ses bienfaits et lui confie son entreprise, sa famille et ses employés. Il demande par la même occasion la santé de son fils Ulrich, puisse Dieu lui accorder la guérison par l'intercession de la Vierge Marie. Maman Gadier, en action de grâce au Seigneur pour la vie éternelle de son fils Ange Gadier, il a appelé à lui que le nom du Seigneur soit béni. À toutes ces intentions, voyageurs, joignons celles de nos cœurs. Oh,
frères et sœurs, que mon sacrifice qui est aussi le vôtre soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur ressemble au domaine, ses sacrifices à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de l'Église. Laisse-moi fléchir, Seigneur, par nos offrandes et nos humbles prières. Nous ne pouvons pas invoquer nos mérites, viens par ta grâce à notre secours. Par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec tout esprit. Élevons notre cœur. Nous répondons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Bon pour ta gloire et notre salut, ton plus d'action de grâce, toujours et en tout lieu. Seigneur Père, Très Saint, Dieu éternel et tout puissant, par le Christ notre Seigneur. Car il est déjà venu en assumant l'humble condition de notre chair pour accomplir l'éternel destin de ton amour et nous ouvrir à jamais le chemin du ciel. Il viendra de nouveau revêtu de sa gloire afin que nous possédions dans la pleine lumière les biens que tu nous as promis et que nous attendons. Et que nous attendons en veillant dans la foi. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissances en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons.
De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce grandement à ses disciples en disant, prenez et buvez en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la justice en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous te prions, Seigneur, le Seigneur de la vie à vous, du salut, et nous rendons grâce à vous d'être ainsi de nous priver de mon Père de Seigneur. En le moment que nous rendons, quand on est encore au corps de son Fils, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint avec ce corps. Souviens-toi, Seigneur, nous t'en ai de répondre à travers le monde, Père de chef d'agneau, amis avec notre Père François, notre évêque Joseph, et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont abandonnés dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi, Seigneur, de Blé Yepo. Souviens-toi, Seigneur, de Blé Nathalie. De Blé Ponce Roger. Souviens-toi, Seigneur, de Blé Dédé. Souviens-toi, Seigneur, de Yepo Kobe. Souviens-toi de ta miséricorde de tous les défunts de la crise militaro-politique de notre pays. Souviens-toi de Papa Kwasi Kwame Lambert. Souviens-toi, Seigneur, de Père Gaguiné, Martine Asoko et Ange Gaguiné. Et souviens-toi de ta miséricorde de tous les défunts accueillis dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Nous implorons ta bonté, Seigneur, sur ton fils, Charles Venti, qui demande cette messe en action de grâce pour tous tes bienfaits dans sa vie. Accorde-nous, Seigneur, aide, assistance, protection. Accorde-lui continuellement, Seigneur, ta miséricorde. Sur sa famille biologique, sur sa famille politique, sur ses amis et connaissances, nous implorons ta miséricorde. Nous implorons ta bonté, Seigneur, à la demande de la Caritas et du clergé. Nous te confions le couple Blé-Boudé. Accorde-leur, Seigneur, ta protection. Tu, M. Kobina Krak-Bruno, pour la guérison de son fils Ulrich. Sur Maman Daguié, nous implorons ta miséricorde. Sur notre pays, la Côte d'Ivoire, Seigneur.
nous implorons ta miséricorde. Dans la fin de l'état de la personne, nous confions, Seigneur, les autorités politiques à l'administration du Seigneur de la paix à ta miséricorde. Nous confions à ta présidente, Seigneur, les partis d'opposition de notre pays. Aidons-nous, Seigneur, à l'image des textes de ce jour, que tous ces partis politiques cohabitent dans le respect pour le bien de notre pays. Accorde-nous de savoir faire notre réconciliation autour de toi. Permets qu'avec la Vierge Marie, la heureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta gloire au long des âges, nous ayons par la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Et comme l'avons appelé du Sauveur, et selon son commandement, nous allons dire. Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenu par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos nombreux péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règne pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous un signe de paix. Oh, Lord.
Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des membres de l'agneau. Thank you.
prions le Seigneur. Comblés par cette nourriture spirituelle, nous te supplions, Seigneur, quand nous participons à ce mystère, apprends-nous à évaluer avec sagesse les réalités de ce monde et à nous attacher au bien du ciel. Par le Christ notre Seigneur. Veuillez vous asseoir. Merci.
offrir au nom de la paroisse. Bon, il y a des dons hein, qu'on va faire ça. Et à son épouse, tout à l'heure, le père conseil paroissial va au nom de la paroisse faire un don. La chorale, cette famille, va aussi faire un don. Et puis, monsieur Lia, son ami, son frère, va lui faire un don aussi. Alors, mon frère Charles, on va bénir ce que j'ai donné le chapelet. Tu es catholique? À ce moment, une maman, la Vierge Marie. Voilà. Dès Seigneur bénisse ce chapelet que tu vas t'apporter, que par l'intercession de la Vierge Marie, toutes les prières de ton serviteur de son épouse puissent monter à toi, quoi qu'il y ait vraiment devant la main par le Seigneur. Oui. Voilà. Prends pour Marie ta mère. Elle t'apportera beaucoup de grâce. Et puis le Seigneur me met dans mon cœur quelque chose. Viens, je t'ai chez toi pour bénir ta maison. Avant que tu n'arrives. Il faut réserver une chambre pour la prière. Réserve une chambre pour la prière. Tu peux mettre une table. Si tu viens, le père peut aller dire la messe là-bas. Pour toi. Là où tu es. Que ce soit à Dijon, à Pau, ici. Pour toujours réserver une chambre. Tu mets le père pour jouer. Tu peux demander à un prêtre. Mettre Jésus présent pour l'adoration. Mon mental, pour le faire. Établir l'autel de Dieu dans ta maison. Merci. Prends Marie pour mère. Et ma fille, voilà. Prends la Vierge Marie. Pour mère. Voilà. Et la Vierge Marie dans votre vie. Elle saura vous inspirer. Elle saura vous aider. Le conseil paroissial, la chorale, vous avancez pour faire le don à M. Charles et à Madame. De continuer ainsi, car
qui sème dans la maison du Seigneur récolte toujours. Nous voudrons dire merci. Merci, merci. Et je voudrais que toute la paroisse, comme une seule personne, nous faisons des ovations au nom de Jésus. Je dis merci à notre Père.